j'irai temporairement pour porter main forte à la ligne offensive. Mais même lui, hein, il est calé. Cet après-midi, la Ligue 2 qui se poursuivra ce soir. Vous le savez, avec un derby corse entre Ajaccio. On dit non plus, pelouse magnifique. Exactement. Rebonjour à tous. C'est vrai qu'elle est très très belle, cette pelouse. Alors, vous l'avez dit, hein, il est capable de couvrir à peu près tous les postes quand il y en a un. Ouais. Et là, c'est bien défendu aussi. Hein. Quand même Robert, hein, moi, plus physique que toi. Hein. Alors, physiquement oui, on est bien sûr. Ouais. Maxime Lopez, vigilant, qui récupère des ballons. Hein. Il n'y a pas que dans l'utilisation. Soit pour Marchetti, qui peut éventuellement plonger, ou pour sur la pelouse de Dornano, entre Caen et Troyes, c'est l'autre affiche de l'I2 que vous suivez. Et Roby, c'est l'une des grandes forces de Jean-Philippe Crasso d'être capable sur un pas. Oui. Optimisation de la possession dont Clément parlait, hein, ouais. Réellement. Ouais, c'est vrai qu'il y a une optimisation. Coulisse en prime. Voilà. Coulisse radio, c'est pas un reportage télé, c'est un reportage du jeu. Même si à un moment donné, fait Pape Maïsaba ici. Voilà, alors au-delà de l'agressivité, mais je veux dire l'intensité nécessaire. Mais pour l'instant, on a du mal à trouver un rôle régulier dans une équipe de. Pressing de fait de la part de Laitane, et puis on s'arrête. Mais il faudra les faire. Exactement. C'est là où les grands gardiens. Avec Laitane, la montée d'Ariel Mendy dans son dos, il préfère solliciter à l'intérieur du jeu Alain Kerouédon. De temps fort comme ça, mais ils n'avaient pas su en profiter. Avec une frappe sur la barre, notamment de Renaud Ripard, on s'en souvient. Eh ben on y est, Vanessa. Franche là, très compliqué à aller chercher pour Maïsaba, qui sera suffisamment rapide pour pouvoir récupérer Laitane. Surtout Mbo qui est vigilant. Ça, c'est une certitude pour les Canets. Laitane qui a réussi à éliminer dans l'espace, bien sûr, il y avait l'appel de Kerouédon. Ouais. Mais ce n'est pas fini. Maïsaba. Un petit peu de frappe. Bakasuma Oro qui nous a montré.